Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des liseuses que j'ai achetées, là, que j'ai prévu d'installer dans les chambres de la maison que je suis en train de construire. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors dans les chambres, j'ai prévu. Donc il y a une prise en bas là. Ça c'est une tête de lit typique. On va aller voir une autre chambre ici. Donc il y a ici, il y a une prise. Une deuxième prise ici, une de chaque côté donc pour le confort des utilisateurs de la chambre. Et sur la partie haute, en fait, j'ai prévu ici un interrupteur qui va permettre d'activer les spots là qui vont être au plafond. Donc c'est un bouton poussoir. Okay, donc on peut allumer et éteindre d'ici, mais on peut aussi faire la même chose depuis là. Et j'ai également prévu d'installer des appliques, donc des têtes des liseuses pour les têtes de lit, pour chaque tête de lit. Ok, donc j'ai ici, donc j'ai fait venir des fils là, trois fils en 1,5 mm carré pour mettre en fonctionnement donc des liseuses. Donc il y en a une de chaque côté. Et je viens de recevoir aujourd'hui les deux premiers exemplaires que je viens d'acheter sur Amazon. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais les déballer. Alors vous avez vu déjà que j'ai prévu un seul trou là de diamètre 60-68, je crois que c'est. Et parce que je ne sais pas comment je vais la fixer la liseuse. Mais vous voyez que ici j'ai le fil qui est prêt, mais il va peut-être pas sortir là, mais peut-être plus haut. Alors en ce qui concerne la liseuse en elle-même, donc j'ai acheté ça sur Amazon, je ne sais plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé quelque chose comme peut-être 20 euros ou 30 euros peut-être, je sais plus. Et donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc je vous ai mis un lien, je vais mettre un lien dans la description sous la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les acheter. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà, vous voyez que donc it's amazing. What lights can do. Ça veut dire c'est incroyable. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est incroyable ce que les lumières peuvent faire. Ça peut être très utile d'avoir des liseuses dans une chambre pour sur une tête de lit. Ça peut être très pratique. Comme ça, il y en a un qui peut lire. Il en faut une de chaque côté. L'un lit ou fait ce qu'il veut sans déranger l'autre. Sans trop déranger l'autre, on va dire. Donc voilà Alors il y a des chevilles qui sont fournies. Donc, il y en a deux dans la boîte. Ok, désolé pour la vidéo. Mais avec une seule main, c'est pas évident. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc c'est un petit bouton là, on-off, avec une petite base chromée. Donc on a deux chevilles et deux vis pour fixer ça dans le mur. On a trois fils. Donc de petites sections, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas du 1,5 mm carré ça. Trois fils, la phase, le neutre et la terre. Donc vous voyez que ça va aller bien avec mes fils que j'ai ici, qui sont beaucoup trop gros en réalité, mais bon. Voilà, et donc je vais devoir fixer ça. Je vais venir fixer ça comme ceci. Et donc au-dessus de l'interrupteur qui va allumer donc les spots de la chambre. Et avec ça, donc on peut orienter ça. Vous voyez que la liseuse, elle est assez longue, elle est flexible. Alors sur le plan du style, vous voyez que ça ressemble un peu à plutôt un truc de douche, un flexible de douche. Mais enfin bon, c'est pas mal quand même. La liseuse en elle-même, elle est assez jolie. C'est un genre d'acier brossé, voilà. Bon ben écoutez, voilà. Donc c'est pas mal. Si ça vous intéresse de voir comment je vais les mettre en œuvre, ben vous pouvez vous abonner. Si vous voulez acheter ces appliques, ces liseuses, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien sponsorisé que j'ai mis sous la vidéo. Comme ça, je pourrais aller boire un petit café peut-être au bout de 2 ou 3 ans. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez vos questions, vos remarques ou vos commentaires si vous en avez. Merci pour votre attention, les amis, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.